Alors, test des hélices 6 pouces, pas 4 pouces. Toujours le 5 avril. Ça sonne plus. Il va plus vite. Il remonte plus facilement le courant. Quoique. Force plus en fait. Oula. Niveau manœuvrabilité. Ouh, attends. Ouais, c'est bon. Niveau manœuvrabilité, c'est 3 fois trop pour lui. Ah, il tourne moins vite, hein. Non, mais c'est moi parce que j'ai du mal à le contrôler en fait. Dès que je tourne, ça fait des grands coups comme ça. Mais sinon, il remonte mieux, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire qui remonte mieux? Ça, je ne me rends pas trop compte à vrai dire. Je pense que c'est mieux quand c'est plus maniable. Ça craque. Hey, il est pas en train de couler. J'ai pas l'impression, mais je sais pas. Alors, en fait, une fois qu'on l'a un peu en main, c'est bon. Alors, je vais soulever le fil pour faire un test de tournoiement. Et voilà. Rentrage à la base. Et voilà. C'est clair que si l'Alvin il était manœuvrable comme ça là. Ouais. Ça serait cool hein. Ça changerait tout quoi. Ouais. Là tu peux cadrer tout ce que tu veux mon gars. Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de voir le test de vertical. Ça envoie du steak, hein, je te le dis. Ça tire grave. Tu veux essayer? Je te remets les petits. Ouais, je veux bien, ouais. Parce que ça, c'est trop le bordel. J'arrive pas trop à gérer. Allez, c'est parti. Oh, ça me plaît. Ça marche trop bien.